J'avais un problème avec ma manière de travailler. Mais non, patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric, nous, on s'en branle des jeux. Précisément. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Game Dev Tycoon. Et on va tout de suite chercher alors un travail sous contrat. Non, alors on a sauté pas mal de trucs, j'ai pas tout montré. Là je vais tout de suite créer un nouveau moteur sous vos yeux ébahis. J'ai sauté pas mal de trucs, effectivement j'ai supprimé une vingtaine de minutes au montage. Parce que bon, je me dis ça va, vous connaissez. Alors je vais appeler MMO Satan, voilà. Alors j'appelle comme ça, pourquoi ? Parce que c'est l'objectif ultime, c'est de réussir à faire donc un MMO Yada Yamete Kodasai, qui était mon plus gros succès. Donc je veux réitérer ça pour en faire un MMO. Donc on a... Alors, stand I3, on va faire un moyen stand. Alors, donc c'est ça, c'est l'objectif, le MMO Yada Yamete Kodasai. Pour ça, on prépare avec un nouveau moteur graphique. Et voilà, et je vais meubler parce que j'ai rien d'autre à foutre, parce que, voilà. Alors, Satan, 3, 16 bits, si on le fait, c'est... ça va. Alors, ça, encore oui, parce que, je sais pas si je l'ai montré ou pas, du coup, mais il y avait des mecs avant qui m'a demandé mon Satan numéro 5, c'est le moteur de genre de la PS2, quoi. 853 570. Eh ben, dis donc. Eh ben, putain. Il y a du respect. Bon, alors, attends. Hop. Est-ce que j'ai pas des mecs morts? Oui, alors, attends, j'en ai 3. Ouais. J'ai 3 mecs morts que je vais envoyer en congé. Trop nouveau, ce moteur MMO Satan est prêt. Alors, toi, tu t'en vas en congé. Toi, tu t'en vas en congé. Kelly Silva, tu t'en vas en congé. Fais un rapport, toi, tu vas me faire un rapport sur le jeu, sur Bouge ton cul, donc qui est un jeu que j'ai pas montré, il était hors antenne, donc c'était un jeu de rythme. Un jeu de rythme à la con, enfin voilà. Donc, flangage corporel. Non, je préfère économiser pour l'instant. Non. Former, parce que en fait, on est un peu léger en design quand même, et j'aimerais bien former. Je me tâte à former quelqu'un pour améliorer niveau design, parce que c'est... Qu'est-ce qu'on a en design? J'aimerais bien faire passer quelqu'un à 700 en fait en design pour avoir un spécialiste de plus. Non, je vais pas le virer, qu'est-ce que je fais? Alors, accorder un congé. Putain, oui, merde. Accorder un congé. Ils font chier avec cette table de grise de merde là qui se confond avec la barre. Encore une fois, on avait encore, comme Kelly Silva la dernière fois, on avait quelqu'un qui était en train de mourir sur le bureau et tout le monde passait à côté. Et personne la voyait, tu sais. Alors, nous, on va faire un petit travail sous contrat pendant ce temps-là, histoire de meubler le temps que... Comment il s'appelle? Tristan Freeman finisse sa formation des arrière-plans de jeu. Bon, ça va. C'est... ça va. Parce qu'on a fait... On a déjà fait plein de travail sous contrat où je les ai tous ratés à chaque fois. Ça, c'était... J'ai pas montré dans le montage, du coup, mais c'est genre... on s'engageait, genre, oui, on va faire un film, et puis finalement, à la moitié, on n'a rien fait, on laisse tomber, t'sais. Alors, rythme et casual, action, oui, donc ça c'était le jeu Bouge ton cul, hein. C'était un jeu donc que je n'ai pas montré. Dialogue, alors ça spécialise des dialogues pour peut-être 200 points de recherche, ils sont malades. 200 points de recherche quoi, 5 millions, je veux bien, mais 200 points de recherche, allez vous faire foutre, ils sont fous quoi. Spécialiste en design, voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, parce que genre, je vais faire un spécialiste en design avec, ça c'est, non, c'est le Greypad, c'est quoi, c'est l'iPad je suppose. Je vais faire un spécialiste en design avec Tristan Freeman. Alors pendant ce temps-là, on va bourrer les travaux sous contrat. Voilà, logiciel de comptabilité, on fait des travaux faciles, histoire d'aller vite. Et donc ce spécialiste en design devrait me débloquer une nouvelle section du jeu. Et ça devrait aller vite. Voilà, alors Tristan Freeman, nous pouvons donc désormais ouvrir labo de recherche-développement. Donc allons-y, on va payer 2 500 000, pardon, on a 100 millions donc ça va aller. Et voilà, donc on a développé un labo recherche et développement, possibilité matérielle, internet. Maintenant on va avoir accès à des nouvelles features du jeu. Donc on va l'envoyer en congé parce que, hein, voilà.
mec, il vient d'être promu, donc déjà. Et voilà, donc là, on a accès à la nouvelle salle. Bienvenue dans notre propre laboratoire de recherche et développement. Pour le moment, il est vide, mais nous disposons d'un bon nombre de personnes. Vous n'avez pas à les embaucher, etc. Voilà, on n'a pas à embaucher les gens. On va attribuer un budget à cet endroit, qui sera donc prélevé chaque mois. Hero Citizen, c'est rigolo. Matériel... Qu'est-ce que c'était, ça? Possibilité d'internet. Voilà, ça, c'est ça qu'il nous faut. Parce que possibilité d'internet égale MMO, égale Steam, égale plein d'autres choses qui font du pognon. C'est la Wii U, c'est ça, c'est bien ça. Donc voilà, qu'est-ce que... Non, il faut que je mette du budget. Voilà, j'ai mis 1,4, 1,5, à peu près comme ça. Alors ça coûte cher, ça coûte immensément cher, mais ça va permettre d'avoir accès à tout un tas d'autres trucs du jeu, nouvelles recherches, conventions. Très bien. Non, pas nul le projet, qu'est-ce que je fais là? Non, je vais repasser à l'écran. Voilà, repasser à cet écran. Voilà, donc pendant que ça monte, nous il faut qu'on économise des points de recherche. Donc, pour pouvoir, si possible, faire un autre design, ça serait pas mal. Faire un autre spécialiste. En design ou en technologie, ça serait vraiment cool, quoi. Parce que là, quand je regarde le personnel, tu vois, ça tend 300. Qu'est-ce que j'ai 503, lui, c'est 593. Et il a 474 en recherche. Alors, donc, faisons un résumé. Donc, tout le monde est en forme. On a 95 millions. On a 1,6 par mois de budget sur le labo recherche et développement. Il n'y a pas de travail sous contrat à faire, travail d'édition, on a que 448 000 fans, c'est très bien. On va développer un nouveau jeu. Et j'ai envie de faire un... Alors, est-ce que j'ai pas un jeu d'horreur? Non, sport, hôpital, histoire alternative, prison... Qu'est-ce que je pourrais faire en jeu adulte? Un jeu adulte... Sport adulte, ça veut rien dire. J'ai pas vraiment de thème qui se prête au truc adulte, en fait. Post-apocalypse, chasse, entreprise. Bon, tu sais quoi, on va faire une entreprise simulation, tant pis. Hop. Entreprise. Simulation. Ouais, non, parce que si je veux développer sur console, j'ai intérêt à faire de l'action, mais l'action, ça marche pas sur... Action sur PC. Bah écoute, allez, écoute, c'est qu'on va faire un jeu d'action... Action, arts martiaux. Alors, on va faire un action. Action aventure, tiens. Action aventure sur Xbox 360, PC, PS3. Moteur, alors, le MMO Satan. Qui j'espère servira pour le MMO Yamete Kodasai. Je rappelle que c'est l'objectif de l'épisode. Action aventure, arts martiaux, on va l'appeler, mais tiens, Kung Fury. Kung Fury, voilà. Et alors, c'est parti. Alors, action aventure. Est-ce que je n'ai rien oublié? Tout va bien. Alors, je sais pas si j'ai raison de le foutre en tout en public averti. Allez, si. Allez, vas-y, on va dire qu'il y aura du sang. 3DV5. Il faut qu'on gratte des points de recherche. Avant, parce que ça, là, l'argent va partir à toute vitesse, là, par contre, dans cette partie. Alors, action-aventure, on va mettre, hop, ça comme ça. Voilà, le moteur pas à fond, parce qu'aventure et action, c'est assez... Dans les jeux d'aventure, il faut quand même un peu de quête, un peu d'histoire-quête. Donc, je pense qu'à mon avis, je vais viser quelque chose comme ça, à peu près. Et du coup, je vais tout mettre. Je vais tout mettre partout. Ah d'accord, ok, cinématique avancée, histoire ramifiée, voilà. Moteur, je mets tout. Multijoueur, ah tiens, jeu en ligne, d'accord, ok, je ne comprends pas. J'ai des trucs qui sont opposés en fait, arbre de compétences. Là je mets tout. Donc on est, là on est clairement dans la partie moteur, gameplay, histoire quête, c'est la partie design. Non, c'est la partie tech qui me met des gens en tech. Bon, ok, très bien, écoutez. Microsoft a sorti le M-Pad. Et là, je vais suivre vos conseils. On est en train de faire un gros jeu quand même. Je vais suivre vos conseils. Ce coup-ci, je vais faire une petite campagne. Voilà, une petite campagne.
L'impad est effectivement pas identique au Greypad, nos verrons à la batterie. Blablabla. Ok, très bien. Par contre, c'est quoi cette campagne de merde que je suis en train de faire là? C'est Gary White, j'ai entendu, bah oui, une interview. Quel est votre sentiment? Écoute, on va être modeste. C'est vraiment une campagne de merde hein, qu'on est en train de faire là. 20 en engouement, la vache, pour 500 000. L'argent va partir à toute vitesse, faut vraiment qu'on... Là, on n'a pas le droit à... On n'a clairement pas le droit de se planter, là, sur les jeux. Alors, 852... Alors, design du niveau... Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Action-aventure... Les dialogues sont pas très très importants. C'est pas important dans les jeux d'action, ça l'est un peu dans les jeux d'aventure, mais pas trop. Donc on va laisser juste un petit peu l'équivalent de 2 moins, à peu près. Le level design, le design du niveau, on va mettre ça à la moitié, je dirais. Ouais, intelligence artificielle, dans les jeux d'action, c'est important. Ouais, je dirais ça, à peu près comme ça, voilà. Ça pour moi, c'est à peu près comme ça, voilà. Donc, on va, pareil, on va tout mettre. Bon, tout le monde bosse à peu près dessus. Intelligence artificielle, je vais peut-être mettre lui. Comme ça, lui, je l'économise. Lui, je le mets en design du niveau, comme ça. Non, ça sera toi. Et lui, je l'économise pour après. Voilà. On est faible en design, hein. On est vraiment faible. Là, je suis pas fan de ce qu'on est en train de faire, là. La Wii U qui est sortie. On va prendre un stand moyen. Remarque, au moins, écoute, je vais rajouter encore un petit peu de marketing. Un truc à 150K, voilà. Magazine et démos. Et on a les possibilités internet qui vont bientôt arriver, je me demande ce que ça va être. Voilà. Alors, après une étude approfondie, nous sommes arrivés à la conclusion qu'Internet est une... prodigieuse opportunité dans l'industrie du jeu vidéo. Tu sais, on s'est rendu compte, genre la PS3 est sortie, on s'est rendu compte qu'Internet c'est cool en 2007, quoi, tu vois. Ok, nous avons donc aperçu les jeux multijoueurs. Ah, nous pensons des MMO, et voilà. Et les jeux dématérialisés. Très bien. Alors ça, c'est pour après. Ça, c'est pour juste après ça. Alors ensuite, donc, on est donc dans un action-aventure. Donc, les graphiques, on va mettre ça... Ah, ça au milieu à peu près, de manière à ce que ce soit les graphismes le plus important, mais le truc ne soit pas en reste. Alors voilà, et on va tout mettre. Là à peu près tout le monde bosse, ça me semble bien. Et pendant ce temps-là, attends. Où est-ce que qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à côté? Qu'est-ce que vous faites à côté? Démarrer un projet, très bien. Convention, nom de code grid, MMO. Voilà, c'est ça que je veux moi. Allez. Donc là, on a Kung Fury et Bouge ton cul. 930 000, c'est pas trop mal. 42e. Eh ben, ça tombe bien en plus. Là, on a le vent dans le dos, là. Allez, là, faut tout balancer, là. Allez-y, j'adore ce bruit des petites bulles. Ah, ça te fait tellement plaisir ce petit bruit là. Allez. Corrigez-moi tout ça. Et je vais vous laisser travailler encore un petit peu dessus. Je pense que technologie, on est très bon. Design, on est un peu faiblard. Je devrais peut-être en former en design. Je sais pas ce que vous en pensez. J'attends un peu que la hype redescende. 381. Je surveille. Allez, voilà, c'est parti. Alors, là, normalement, ça devrait envoyer du pâté. Là, si ça envoie pas du pâté, je n'ai pas d'explication. Formation spéciale pour Ami Nenning. Alors, qu'est-ce que c'est ? Histoire interactive, coopération, choix éthique, langage corporel avancé, bande originale symphonique. Les jeux AAA, très bien. Alors, on va commencer par envoyer le congé habituel post-machin, là. Ensuite, on va juste regarder la liste du personnel, parce que je pense qu'il faudrait quand même que j'en forme un en design, là, parce que j'améliore le design. Alors, on a 852, celui, c'est notre spécialiste design. Alors, on a des très bons codeurs, mais en design, on est un peu à la rue. Liam Lynch.
il est où, Liam Lynch? C'est lui. Peut-être. Bon, bah écoute. Prends en congé, vas-y. Allez, hé hey, là. Non, non. Là, je veux des 10. Là, vous m'envoyez tout. 10. 10. Allez. Un petit 10. Oh. Est-ce que ça va être le triple? Non, non, tu vas pas me foutre un 9, espèce de trou de cul, putain, mais c'est... Ah, les rageux, quoi. C'est Rageux Magazine, quoi, tu sais. Putain. Bon, écoutez, mais c'est pas mal, on va pas se plaindre. Alors, pendant ce temps-là, toi, tu vas me rechercher... histoire interactive, choix éthique. J'ai cru voir qu'on pouvait chercher les triple A. Est-ce qu'il faut... coopération... Ou alors, est-ce que je l'économise? Parce que quand les MMO vont sortir... Ah, tu sais quoi, je vais économiser. Alors, fais un rapport sur le jeu. Non, il n'y a pas d'autre. Rechercher... qu'est-ce qu'on aurait en nouveau thème? Développement de jeu, OVNI, cinéma... Non. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... On va développer un nouveau jeu dans la foulée. Alors, on a fait pirate, on a fait avion. Mais vous savez quoi? On va faire de la SF et on va faire une stratégie simulation. C'est vrai que ça marche pas des masses sur... Ah, mais attends, peut-être... Stratégie simulation, les jeux de stratégie sur PC, ça marche... sur PC, ça marche bien, ça, ok. Mais est-ce que ça marcherait pas, genre, sur les iPads? Une stratégie simulation. Je me pose la question. Il y a peut-être moyen. Et ça, c'est pareil. Aussi, sur... alors bon, je sais que jouer sur iPad, c'est un peu comme voir des lutins. Mais, bah écoutez, on va faire ça. On va sortir ça sur PC et machin pad. Alors, SF, moteur, MMO Satan... On va appeler ça Mass Effect Tactics. Tactics. Voilà, Tactics. Mass Effect Tactics. Allez. En 3DV5, of course. Alors, par contre, je vais l'envoyer en congé tant qu'il est encore temps. Voilà. La Kung Fury se vend super bien. C'est parfait. Alors, réfléchissons. Donc nous avons là de la stratégie simulation. La stratégie simulation étant relativement proche. Le gameplay. Stratégie simulation. Alors l'histoire est pas très importante dans les deux. Le gameplay est beaucoup plus important et le moteur serait à la moitié, je pense. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Peut-être un peu plus comme ça. Et peut-être à poil de quête. Et je vais... En fait, je me demande si j'ai pas eu des notes de ouf justement parce que je mettais tout. Alors du coup, je vais quand même tout mettre. C'est-à-dire, je vais tout mettre. Même sur le côté, là, je vais tout mettre. Bon, ça va. Là... J'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, multijoueur, jeu en ligne. Voilà, stratégie simulation, Mass Effect Tactics. Le style artistique de Kung Fury se mêle bien avec un mariage parfait. Quoi. Arrêtez de jouer, ok. Et là, je me fais des points de recherche pour mettre de côté. Et là, le but, je rappelle, le but, hein, c'est le MMO Yamete Kodasai. Accumuler 5 millions de ventes. Ah bah ça va nous faire des thunes. Et c'est très très bien. La Wii U a été retirée du... C'est la Wii U? La nu. C'est la Wii U? Putain. Non, c'est pas possible. Non, je dois confondre. Ça doit être la Wii, je pense. L'engouement marche bien. On va en rajouter un petit peu. Pareil, petite campagne. Non, en grande campagne même. Voilà. Parce qu'on est riche là, donc on s'en fout. Grande campagne. Grande campagne sur un jeu de stratégie simulation, c'est bizarre quand même, hein, mais... dizaine du niveau, les dialogues sont pas très importants, ils nous le disent. Mais c'est pas à zéro non plus. Donc il faut mettre à peu près comme ça, moi je dirais. Dizaine du niveau, on va te mettre à toi. Non, à toi.
À toi sur les dialogues, voilà. Et intelligence artificielle. Intelligence artificielle pour moi c'est du codage, donc plutôt à toi. Voilà, comme ça tout le monde bosse un petit peu, c'est bien. La hype qui monte, et en plus ouais, c'est vrai qu'on a bénéficié, on a vraiment bénéficié du fait que les jeux d'aventure étaient à la mode au moment. Donc là c'est pour ça qu'on a fait un succès hallucinant. Et c'est parfait, parce que du coup je vais, en fait non, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller augmenter la recherche dans les MMO là pour aller plus vite. Alors, son graphisme. Alors donc nous avons des stratégies simulation. Donc ça veut dire que les graphismes sont importants mais pas trop. Le world design va être plutôt comme ça. Et ça, ça va être plutôt comme ça, je dirais. Avec le son. J'ai presque envie de mettre les trois au même niveau, tu sais quoi. J'ai presque envie de mettre les trois au même niveau, mais je vais très légèrement mettre le... Ah, je vais faire comme ça. Comme ça. Voilà, à peu près le son et ça du même niveau. Et l'autre légèrement au-dessus. Voilà, comme ça. Voilà, à peu près. Et pendant ce temps-là, je vais aller augmenter le budget. Voilà. Allez, tout le monde bosse dessus à plein temps, c'est parti. Eh, niveau technologie, est-ce qu'on serait pas encore mieux que tout à l'heure par hasard? T'as, lui, il est en train de crever. Faut vite l'envoyer en congé. Continue à bosser un petit peu. Et le piratage, un problème, etc. Le piratage est un problème, c'est vrai, mais ça ne sert à rien de jouer les pères fouettards, parce qu'au contraire, par phénomène inverse, tu pousses les joueurs à pirater encore plus quand tu les chasses. Soyons ouf, grand stand. Parfait. Voilà, alors toi tu me pars en congé. Putain, si on fait deux... il m'a l'air un peu plus faible, à peine plus faible. Alors celui-là, je pense qu'il fera 2-9. Ah, tu vois, celui-là, il fait... j'ai dû faire une petite erreur. Une toute petite erreur, à mon avis. Je sais pas laquelle c'est. Par contre, eux, c'est... bon. Toujours un qui met un 9 derrière. Alors, pendant ce temps-là, on va faire un rapport sur Kung Fury. On va... Les MMO sont pas tout à fait prêts encore. On va rechercher... Qu'est-ce qu'on pourrait rechercher? Aucun état de chargement, météo réaliste. Non, bah vous savez quoi ce que je vais faire par la magie sacrée du montage? Je vais faire une petite ellipse. Voilà. Donc, j'ai coupé un jeu que j'ai fait entre-temps. C'était les Chevaliers de Quetzalcoatl, une suite aux Chevaliers de Baphomet. RPG. Donc voilà, là j'envoie tout le monde en congé pour se préparer. Parce que juste après ça... Donc critique du jeu, bouquet de Quetzalcoatl. Donc j'ai fait un jeu. Je voulais pas montrer parce que bon, ça va. Hein, vous avez vu des jeux. Pas tous, ça sert à rien de vous le montrer. Il y a rien de plus ou rien de moins qu'avant. Voilà. Donc enfin, juste un petit saut en avant. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, on va rechercher tout de suite les supports pour MMO. Voilà. Et maintenant, c'est le grand moment. Support pour MMO. On va former... Qu'est-ce qu'on va former? Est-ce qu'il y a pas un... Ils ont dit qu'il y avait des trucs pour les MMO, là. Parce qu'on a 200 points de recherche. Mais ils sont Narvalo, ouais. 200 points de recherche, un genre... T'imagines? Si je voulais un spécialiste pour chaque truc, il me faudrait 2000 points de recherche. Ils sont complètement fous, quoi. Ils sont complètement fous. Rechercher, nouveau thème... Écoutez, bah, ce qu'on va faire, on est en train de former les MMO. Voyons, je fais le test. Oui, c'est ça. Développer un nouveau jeu. MMO. Vous le voyez. Les MMO ne peuvent être ni grands, ni... Ok. Et là... Yada. Yamete. Kodasai! Online. Et ça, je vous laisse ici. Ça sera pour la semaine prochaine, qui sera du coup probablement le dernier épisode de Game Dev Tycoon. On y est, enfin arrivé. On est à la fin. On atteint l'objectif ultime. On est premier. On est premier sur les stands. On est riche. Maintenant, il nous reste ça comme objectif ultime. On verra si ça marche.
Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou et salut. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogrames.